neige, flocon après flocon, recouvre d'un manteau blanc tout le paysage. Avant de commencer sa longue course autour du monde, le Père Noël reprend des forces, car dehors le froid est vif. Il est confortablement installé dans son fauteuil à bascule, au coin du feu, et sirote un verre de lait chaud. Petit à petit, le sommeil le gagne. Ses paupières se font lourdes, très lourdes, et il se retrouve au cœur d'un rêve étrange. L'angoisse s'empare de lui. Et si les lutins avaient mélangé tous les cadeaux? Si un renne tombait en panne, comment ferait-il pour terminer sa distribution? Que faire en cas de cheminée bouchée ou d'embouteillage sur le strato périphérique? Thank you.
pas arriver à faire tenir tous les paquets dans son traîneau. Il doute. Parviendra-t-il à distribuer l'ensemble des paquets à temps? Il en vient même à penser à démissionner. Ah non, ce n'est pas possible. Heureusement, ses petits lutins sont là pour le consoler. Ils le rassurent, le réconfortent. Très gaillardi par tous les conseils avisés de ses lutins, l'assurance le regagne et tout à coup, il a une patate d'enfer, une pêche inouïe, il se sent alors invincible. Thank you.
confiance retrouvée, Super Noël décide de construire, avec l'aide de ses petits lutins, un traîneau beaucoup plus grand. Un traîneau limousine. Pour le conduire, ces rennes doivent être au plus haut niveau. Des rennes de compétition. Séance d'entraînement intensive. Échauffement. Et 1, et 2, à 3, à gauche. Flexion, extension. Thank you.
Sur les oreilles, s'installe confortablement sur la banquette moelleuse au volant de son super traîneau. Il enregistre l'itinéraire de sa tournée sur son GPS, allume la radio sur sa fréquence préférée et s'envole dans les cieux limpides et constellés de myriades d'étoiles.
dans le ciel, le trafic est chargé. Alors que tous les enfants dorment, les Pères Noël de tous les pays du monde déposent les cadeaux au pied des sapins. Le balai des traîneaux est merveilleusement orchestré. On ne déplore aucun accrochage. La tour de contrôle de Noël gère au mieux les retardataires, les trop pressés, entre les décalages horaires et les tempêtes de neige, ce n'est pas toujours facile. Mais comme chaque année, tous les cadeaux arrivent à temps. En chemin, notre Super Noël croise ses collègues. Il salue entre autres le Père Noël mexicain, Thank you.
se retrouver, les deux amis Père Noël s'accordent une petite pause et décident d'aller au piano bar du coin. C'est ici que chaque année, les lutins, les reines, les pères et les mères Noël se retrouvent pour se détendre après les longs mois de fabrication des joujoux. Dans ce bar, c'est la folie. Tout le monde chante, danse et s'amuse sur la musique envoûtante d'une charmante pianiste de Noël. Très connue dans tout le Royaume-Uni.
La soirée se déroule à merveille. C'est alors que Super Noël croise le regard d'une ravissante Mère Noël. Son cœur bat la chamade. Que se passe-t-il? Jamais il n'avait ressenti cela auparavant. Il aimerait aller à sa rencontre, lui parler, mais il est tétanisé. Heureusement, juste à ce moment-là, le crooner de Noël entonne une chanson. C'est l'occasion rêvée. Super Noël prend son courage à deux mains et invite la belle à danser. Before the night was through, something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my arm told me I must have you. Thank you.
à tous les petits flocons qui sont venus écouter cette histoire. De joyeuses fêtes de fin d'année!